Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment augmenter votre volume musculaire au niveau de vos bras aux anneaux. Donc on aura 4 exercices, 2 exercices de biceps et 2 exercices de triceps. Alors juste avant de commencer, essaye de faire en sorte que tes anneaux soient sur un point fixe et bien à l'horizontale, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'il y ait un anneau plus haut que l'autre au niveau du point d'accroche. Parce que tu vas voir que lorsqu'on va reculer les anneaux, en fonction de la difficulté, en fonction du niveau que tu as, ça va peut-être te gêner, ça va créer un léger déséquilibre. Donc l'accroche au niveau de mes deux anneaux est complètement droite. Donc premier exercice que je vais te montrer, c'est un biceps curl. Donc on va se placer donc comme ceci. Donc là, je me mets en suspension, je garde quand même un engagement assez important au niveau de mes poignets. Donc on garde le force grip, le fameux. Et ensuite, en fait, on va ramener les anneaux derrière la tête. Je suis ici et on ramène. Là et on ramène. Donc en fonction de la difficulté, plus je vais reculer, plus ça va être simple. Plus je vais me mettre à la verticale de mon point d'accroche, donc vraiment à la parallèle au sol, plus ça va être compliqué. Donc ça, c'est vraiment à toi de voir lequel niveau de difficulté tu vas adopter pour pouvoir faire la répétition le plus correctement possible. J'allais oublier, concernant la respiration, on va venir donc souffler sur la contraction du mouvement. Donc je souffle et on inspire. Deuxième exercice, donc pour suivre les biceps curl, on va partir sur des triceps extension. Donc là, donc, on va se placer donc légèrement jambes écartées pour être bien stable. Ensuite, j'avance mes anneaux ici, je serre mes fesses et je contracte mes abdos pour protéger mon bas du dos. Et ensuite, on va venir descendre et pousser. J'inspire et je souffle. J'essaie de garder au maximum les coudes serrés. Si vous sentez que c'est trop compliqué, n'hésitez pas à avancer vos anneaux. Donc je suis ici, et même chose. Là, et je pousse. J'inspire, et je souffle. Ok, donc troisième exercice, on repart sur un exercice de biceps. Vous allez voir que cet exercice est un tout petit peu plus avancé. Et au niveau de la technique, il va falloir être très très vigilant parce qu'il y a quand même un gros impact au niveau de nos épaules. Donc là, on se met ici. Et en fait, on va venir basculer vers l'avant en gardant le force grip, donc en gardant l'engagement du poignet. Donc je suis ici, je viens tendre et je ramène. Ici je tends, je ne tends pas complètement le bras et je ramène en biceps. Ok, je suis ici et je ramène. Donc pareil, si vous voulez que ce soit plus simple, on avance légèrement et ensuite on va faire exactement la même chose. Donc déjà, essayez de penser aussi à avoir les épaules légèrement fixes. Je ne veux pas que les épaules partent en avant. Donc je fixe mes épaules en arrière, je viens descendre et je remonte. Et on va mettre une respiration sur ce qu'on fait. On inspire et je souffle. Essayez de rester en contraction constante du début à la fin. C'est-à-dire que là, je suis ici, je contracte, je contracte, je contracte, je contracte. Mais si je reviens là, j'ai perdu ma contraction. Donc le plus important, c'est de se faire la descente ici et remonter en restant en contraction ici au niveau de nos biceps. J'inspire et je souffle. Donc là, on a quand même une grosse sollicitation musculaire au niveau de nos biceps étant donné qu'on a une angulation qui est assez grande. Je pourrais comparer ça lorsque j'ai des haltères dans les mains et que je fais un biceps curl. Imaginez que vous soyez légèrement incliné sur un banc. Bah forcément, l'angulation de votre bras va être beaucoup plus importante et c'est là qu'on va recruter beaucoup plus musculairement au niveau de nos biceps. Autre petit point important concernant cet exercice, ça peut être super intéressant pour les personnes qui veulent aller plus loin, notamment sur des figures aux anneaux. Donc je prends par exemple la bascule dorsale où en fait on va revenir pousser ici sur la fin, donc comme le pelican curl parce que c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc je suis ici. Et là, je repousse. Vous avez vu? Là, je vais faire la même action, ici, en repoussant. Et pour aller encore plus loin, on peut même le faire, si vous voulez, à l'équilibre. Donc, quatrième et dernier exercice. Donc là, on va baisser légèrement nos anneaux. Et donc, on va faire un triceps dips. C'est-à-dire, donc, on va venir se mettre ici. Donc là, j'ai les jambes à 90 degrés. On va venir descendre et ensuite
je pousse en ouvrant les anneaux et en faisant une extension complète de mon coude pour avoir la sollicitation complète au niveau de mes triceps. Donc j'inspire et je souffle. Donc là vous avez vu, j'ai les jambes qui sont fléchies, donc j'ai commencé par la position la plus simple. Si vous voulez que ce soit plus compliqué, on va tendre les jambes. Et là on va faire la même chose, ici, et je remonte. On inspire et je souffle. Une consigne très importante, les amis, ne venez pas faire votre triceps dips en partant avec les épaules complètement en avant. Ça, c'est ce que je vois beaucoup et c'est ce que je veux absolument pas que vous fassiez. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au niveau de la posture, déjà, c'est pas la bonne solution et on va pas recruter correctement ce qu'on a envie de recruter sur les triceps. Donc, je suis ici, j'ouvre là, je descends et je remonte. A contrario de, je suis ici, la tête dans les épaules, et je remonte. Ça, je veux pas. Et pour celles et ceux qui veulent aller encore plus loin, je sais très bien que certains d'entre vous sont assez chauds, donc on augmente la hauteur, donc c'est-à-dire que je vais mettre mes pieds légèrement surélevés. Je descends et je remonte. Donc là, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais je ferme légèrement les anneaux quand je descends, et ensuite, je rouvre à la fin. Donc j'inspire et je souffle. En ce qui concerne le nombre de séries et le nombre de répétitions, essayez de faire entre 3 à 5 séries de 12 à 15 répétitions. On est quand même sur de l'hypertrophie, notre but c'est de prendre du volume musculaire, donc il faut répéter le mouvement. Ensuite, on va avoir deux options. Donc soit vous choisissez d'alterner comme on a fait biceps, triceps, biceps et triceps, donc 4 exercices, ou soit pour créer encore plus d'impact musculaire, vous allez enchaîner les deux exercices de biceps et les deux exercices de triceps. Donc vous allez voir que là c'est beaucoup plus impactant en termes de sollicitation musculaire. Donc voilà les amis, on arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tenais à vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux à partager cette passion pour les anneaux et ça fait vraiment plaisir. J'ai plein de messages qui me disent « je me suis mis aux anneaux, franchement c'est super, j'ai de super bonnes sensations ». Donc ça franchement c'est le plus beau des cadeaux pour moi. Si jamais vous voulez aller plus loin, j'ai mis en place aussi un programme de 15 semaines pour prendre en volume musculaire tout en prenant un maximum de force et surtout prendre un maximum de plaisir parce que vous allez voir c'est ce qui va vous permettre de durer dans le temps. Alors par contre je vais être complètement transparent avec vous, hein. Le programme c'est un programme qui va être payant, c'est pour ça aussi que j'essaie de faire des vidéos, un maximum de contenu gratuit pour les personnes qui ne peuvent pas se le permettre et ça je le comprends tout à fait, mais voilà, étant donné que j'ai énormément investi de temps sur ce programme, que c'est vraiment un programme très qualitatif, bah forcément tout travail mérite salaire, en tout cas j'espère que tu comprendras. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très prochainement pour un nouvel entraînement. Ciao les amis, prenez soin de vous.